Salut à tous, on se retrouve sur Starboon et puis comme vous pouvez voir, j'en profite pour installer une petite webcam, comme ça vous pouvez me voir, vous avez une idée qui a derrière cette voix-là. Et bon, bah, à l'avenir, je pense que je vais peut-être faire ça un peu souvent. Je trouve ça un peu plus familial. On va pouvoir se. Enfin, vous allez pouvoir me voir. Moi, je vais pas pouvoir vous voir, évidemment. Mais j'espère que vous pouvez voir mes vidéos et moi. Bon, voilà quoi. Alors, on va reprendre là où on était avec Jim. Ah, tu as pu voir. On est arrivé à la. Attendez, je reviens en arrière. Ouais, protocole 666. J'adore ce chiffre-là, c'est le chiffre du diable. Enfin, ce qui paraît. Donc, il y a eu pas mal de mises à jour. Je pense peut-être faire aussi quelques vidéos pour expliquer en quoi, qu'est-ce qui a été apporté dans les mises à jour, ces petites vidéos vite fait. J'irai juste relire ce qui a été dit dans les news, quoi. Donc, alors, récemment, ce qu'on a fait. On a fini la mission. Alors, c'est vrai que la vidéo, elle a eu un peu de mal. Je suis vraiment désolé. C'est pour ça que j'ai lancé les tutos pour pouvoir, parce que je sais qu'il y a des gens qui espèrent voir cette vidéo-là pour savoir comment passer le premier boss. Et du coup, en fait, avec les vidéos tuto, bah justement, je vous explique et voilà quoi. Donc alors la mission, on a récupéré les Eurychus Crystal. Alors ce qu'il faut faire maintenant, bah, c'est valider la mission. Voilà. Tac-tac. Alors là, il nous dit qu'il va nous falloir du carburant, parce que maintenant c'est plus du charbon. C'est du liquide Eurychus. Pour pouvoir démarrer. Alors là, il va nous falloir 20 unités Eurychus à chercher dans le vaisseau. Alors pour ça, maintenant, on peut se déplacer dans notre système solaire. Et il y a des planètes, je pense, je vais pas vous le confirmer, mais il y a des planètes dans chaque système solaire où vous pourrez trouver ces ressources-là. Alors on va les regarder ensemble. La zone, parce que j'avais pas pu voir encore parce que c'était bloqué. Alors là, on a c'est de la verdure, des plaines. Ça, c'est un désert. Dans le désert, on peut trouver du pétrole. Bah, ça va être pratique parce que on va en avoir besoin pour faire les styles. Ah, bah, de toute façon, non, je suis bête. On pouvait déjà se déplacer là. Voilà, c'est ici. Non, je sais même plus en fait. Excusez-moi, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Alors, oui, voilà, c'est là. C'est comme ça qu'on peut se déplacer. Alors bon, pour le liquide, le fuel ratio, ça doit être ouais, ce type de planète là. Arme leste, vous voyez en droite là. En haut à droite en bleu. Donc bon, par contre, j'ai un peu de bordel, je vais juste me séparer de ça que j'ai plus besoin. Alors ça en double, on met ça là. Ça pourrait être utile pour un autre personnage. Ou des amis qui passent par là. Alors des pioches, bon j'en récupère pas mal. Ça c'est un objet à utiliser. Ça c'est pas mal ça, c'est ouais, c'est vrai. Alors, New Codex Kno. Alors je crois que ça doit être par ici ça. Tout de technologie. Non. Ouais, je sais plus trop. Ouais, donc, alors par rapport aux armes, on a celle-là qui fait 42 de dégâts, 60 et... Oh, bon, celle-là, elle est mieux pour l'instant. On va la mettre là, on va garder une arme à distance. Celle-là, 7, oh, allez, on se sépare. Elle a 113 de DPS, ouais, 116, allez, on se sépare. Et puis, il y a d'autres armes ici encore, 50, on avait dit 65. Ah bon, carrément celle-là. Un gros DPS. On va juste regarder un peu la différence. Là, je peux m'en séparer sans souci. Bouclier aussi. La lampe torche, bah, je la garde. Ah oui, la pioche, je la mets là.
Alors, les lanternes, j'ai pas du. Les potions. J'appelle ça des lanternes, mais je dis des bêtises. On va les ranger ici. Les steaks, j'utilise pas personnellement. Même les supprimer, ça me dérange pas. Alors. Ah, c'est la même chose, les deux. Juste le design qui change un tout petit peu. Ah, en fait, j'ai fait des bêtises. Enfin, j'ai dit des bêtises parce que je pensais que j'ai confondu l'énergie et les dommages. Bon, bah, c'est pas bon, on va supprimer celui-là. Les autres, je les ai supprimés. Bon, tant pis. Ah, ouais, en plus de ça, j'ai cette arme-là. Une main. Je pense aussi que je vais m'en séparer parce que. Hop, on va plutôt faire comme ça. Donc, je m'attarde un peu sur cette vidéo, désolé. Ouais, bon, j'ai pas mal de liquide. Bon, maintenant, ça qui est fait est fait. Alors, logiquement. Salut à tous, alors on se retrouve pour cette vidéo. Je la collerai au précédent épisode parce qu'en ce moment, je sais pas, j'ai des soucis d'enregistration. Ça enregistre pas comme je veux et ça commence à devenir un peu embêtant. Alors normalement, sur la partie là où on a été sur l'astéroïde, enfin la station. Celle-ci là, je sais plus comment ça s'appelle, cette station là, et on a récupéré deux quêtes, les quêtes qui sont ici. Alors, il y en a une où ce que le mec il voulait une armure en titanium, enfin, il voulait que je porte une armure en titanium pour me donner des coordonnées sur une planète assez, des coordonnées sur une planète assez dure. Ce qui correspond à la mission numéro 2. Et l'autre, ça devait être. C'était aller chercher du fioul. Alors bon, je vais aller avec vous vous faire voir parce que là, en fait, j'ai atterri directement sur une autre planète. Je suis ici exactement. Parce que c'est ici qu'on va trouver du titanium. Alors, pour la planète, pour le fuel, je crois que c'est peut-être celle-là. Vous voyez, vous avez le truc armless, et puis généralement, elles sont vertes, il n'y a pas d'atmosphère. Alors, on y va. Je vais aller récupérer du carburant, même si j'en ai déjà mis dans le moteur. Vous le mettez là, vous faites le fuel. Fuel, enfin, fuel, on va dire. Et en haut, ça va monter. Là, j'en. En l'occurrence, j'en ai mis 716, un peu plus même, parce que j'ai dû naviguer entre-temps. Alors, je comptais. Ah, c'est vrai, attends, je vais récupérer un peu de vie en attendant, le temps que le vaisseau arrive. Ouais, on est presque. Ouais, enfin, on est déjà arrivé. Alors là, c'est assez simple, on va juste descendre en creusant tout bêtement. Mettre des torches quand même. Alors normalement, sur ce type de monde, il n'y a pas de structure et voire même pas de mob, je crois. Et encore moins de minerais. Que si, il y a peut-être des minerais, mais un peu plus
profond. Et ce serait du enrichi liquide, mais enfin pas liquide, c'est il serait dur. Bon, en général, on trouve assez rapidement, mais là, c'est pas le cas. Ah bah, vous voyez, je crois qu'on est on est arrivé assez profond là. Bah justement, c'est ça que je vous disais, c'est ce type de minerai qu'on voit. Ah non, c'est du plutonium, là, c'est même pas du... Je dis des bêtises, alors le plutonium, il s'est foutu où? Il est là. Oh, je vais peut-être remettre des plateformes. On a l'air de sauter où, là? Si je me mets comme ça. Ça. Alors tout à l'heure on a vu un peu de liquide, bah je vais le récupérer pour vous faire voir. Alors c'est ce liquide là qu'il faut récupérer. Hop, il est là où vous voyez. Pour l'instant, je sais pas tout à fait à quoi il sert ce plutonium. Ah bah nickel, un bon petit lac là. Alors le but c'est d'en ramasser de grosses quantités. Si vous arrivez à en avoir un peu plus de... Ouais, 7 à 8 000, même 10 000 en quantité, ce serait... Ce serait intéressant pour le vaisseau, comme ça vous n'avez pas besoin de faire plein d'allers-retours et ça vous permettra de visiter énormément de planètes dans la galaxie. Enfin, la galaxie, univers, je sais pas trop. Système solaire, galaxie, ouais, univers, c'est ça. Bon, normalement, ouais, j'en vois un peu par là. Alors, du plutonium, on va récupérer. Ça sera peut-être utile pour plus tard.
Alors maintenant, on va essayer de remonter un peu. Ça c'est des c'est assez marrant, c'est des pluies de météorites, enfin d'étoiles filantes, et c'est assez joli. Alors la planète, il n'y a rien de particulier autour, on peut faire le tour, on va rien trouver je pense. Pas de minerais, pas de monstres, peut-être ça. On va voir c'est quoi que l'effet. Je trouve ça assez marrant, ces petits trucs là, ça me... Alors d'accord, c'est du poison. Là c'est pas marrant du tout. On va remonter sur le vaisseau et puis aller sur la planète. Voilà, ok, voilà. Ça explose, ça m'empoisonne. On remonte. On va déposer le carburant qu'on a eu là. Alors, vous le déposez là, vous voyez. Si je fais fuel, ça va consommer ça qui me manque. Hop, voilà. Maintenant, je suis à 100 en fuel. Plus celui-là que j'ai en plus. Et maintenant, on va retourner sur la planète pour trouver du titanium. Alors, c'était celle-là, je crois. Ouais. Alors, c'est parti. Alors, là, ça n'a pas consommé parce qu'on est dans le même système solaire. Mais il faut savoir que... Ah, je ne vais pas pouvoir faire voir. Il arrivera le vaisseau. Attends, on va faire un petit roupillon. Est-ce que j'ai accès à mon inventaire comme ça? Yes. Bon, ça c'est uselette. Enfin, uselette, j'en ai pas besoin. Ça c'est pareil, je n'ai pas l'utilité. Alors, je sais pas si dans la vidéo vous avez pu voir le pistolet à peinture. Mais vous faites un clic droit dessus, je rappelle, et puis vous cliquez si vous voulez déposer le bloc, et puis ça vous peint l'intégralité des blocs en arrière. Alors je crois, je sais pas si ça fonctionne pour tous les blocs ou pas, mais une bonne partie. Et ça c'est marrant. Alors on quitte, là on est dans le système solaire. Alors, à la base, on était ici et j'ai dû me téléporter pour aller ici. Alors, par exemple, ici, il faut retourner à la maison l'homme. Alors, voyez, ça utilise 150 de carburant. Mais... Par exemple, si je veux aller super loin, alors on va aller par là. Voire même encore plus loin. Tiens, celle-là. Si je veux aller sur cette planète-là. Tiens, celle-là, elle a l'air d'être énorme. Oui, c'est juste ça. Vous voyez, j'ai même pas assez de carburant. Alors, c'est un truc à faire attention. Alors, voilà, notre vaisseau il est là. On va aller sur celle-là par exemple. Ça, c'est un champ d'astéroïdes. Vous voyez, 300. Alors, il y a intérêt d'en avoir de bonnes grosses quantités. Alors là, j'espère. Ah, un coffre. Oh, intéressant. Oui, il y a un gros mob là-haut. Ah, mais elle a carrément. Dommage, pas. Elle a carrément. Elle a l'air d'avoir plus de dégâts, celle-là. Ah, oui. Ouh, il fait très mal, monsieur. On va se venger. Où toi? Je l'ai tué. Et en tout cas, ils sont jolis les arbres. Ils donnent quoi? Ouais, du bois, parce que c'est du bois.
Du bois d'une autre couleur, ok. Alors, attends, c'est marqué quoi? Alien Spring. Ok, c'est même pas. Je savais même pas ça. On va essayer de faire un petit tour vite fait. C'est vrai que j'ai une nouvelle arme. Ah, et puis ça donne des fruits aussi. On peut les manger. D'accord, et puis. Ok, c'est pas mal. J'ai eu quoi d'autre? Ah oui, c'est vrai, ouais, ça c'est les. Oh, ils font trop mal. Oh, on va juste creuser un peu. Quoique, non, on va peut-être arrêter cet épisode-là. Parce que si j'accumule les deux vidéos, ça va faire un petit peu long. Alors, je refais une vidéo et puis on se retrouve au prochain épisode. Allez, ciao.